35 pèlerins du Hajj 2013 viennent d'être honorés par l'Association des femmes du Ouagadougou résidant à Boaké. Chaque année, des musulmans ayant accompli le cinquième pilier de l'islam des localités de Séguéla, Mankono et Touba sont reçus par leurs parents à Boaké. À cet effet, une cérémonie religieuse et des activités socio-culturelles sont initiées. À cette occasion, les femmes du Ouagadougou ont invité les mères sortants Fanny Ibrahim et entrant Djibo Nicolas, respectivement parrain et président de cette cérémonie, à s'unir pour le développement de Boaké. Chers imams, chers Adja, chers Ladji, avec le poids spirituel du Saint-Coran, les frères Fanny et Djibo Nicolas vont se lever et faire une accolade fraternelle et éternelle. Pour Traoréné Diomandé Nagota, présidente de cette association féminine, il s'agit aussi de prier pour le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Une cohésion qui, selon elle, va permettre au président de la République, Alassane Ouattara, d'atteindre les objectifs de l'émergence annoncés. Créée en 2004, l'association des femmes du Ouagadougou résidant à Boaké revendique plus de 3000 membres.